Welcome to Festival de Violoncelle. To the music. So what do you feel exactly when you are on stage so intense? Actually, for all musicians, nobody has to realize that you did it already many times. And it should be like this. So you have to motivate yourself every day. So for example, today I had a flight at 7 o'clock in the morning from Wien competition. And so mess in my head, you know, and it's so difficult was to, well, it's also quite experience, you know, to concentrate from one rehearsal. But today was so easy to find something new because such an original ensemble was together with me on stage. And it's so unique. I mean, these guys are marvelous. I love to play them with them. And it's not so many people. And they, as I said from stage, they were like all together, like a magnet for those pieces. Such a great idea. Donc c'est la première fois que je le rencontre et que je joue avec lui. Je ne le connaissais pas du tout. Il a souhaité joindre une petite pièce de Tchaïkovski qui est issue de son premier quatuor, mais qui est aussi arrangée par Tchaïkovski lui-même pour violoncelle et orchestre à cordes. On l'a arrangée pour notre ensemble. Donc la Symphonie de Poche, c'est un ensemble de 13 musiciens avec moi. On s'approprie le répertoire symphonique avec évidemment des couleurs qui ne sont pas habituellement associées à ces pièces de répertoire d'orchestre symphonique. Nicolas Simon incarne une nouvelle génération de chefs d'orchestre français. Il fonde en 2008 la Symphonie de Poche. Le choix des instruments et surtout la réalisation d'arrangements audacieux, voire atypiques, sont toujours réfléchis de très belles manières. Ce samedi 18 mai, au Festival international de violoncelle de Beauvais, les spectateurs ont pu constater cela avec une célèbre pièce de Ravel. Mais laissons Nicolas Simon nous expliquer. On en a fait une pièce à 4 temps. Un rythme africain qui s'appelle le bembé. Ta 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 ta. C'est pour ça qu'on a rebaptisé cette pièce le Bembero. Et donc on reconnaît tout, le thème, le crescendo d'orchestre, mais dans un univers rythmique un petit peu différent. Mon frère est violoncelliste, donc j'entends parler du Festival international de violoncelle de Beauvais depuis la nuit des temps. Et c'est très émouvant de faire partie de l'aventure de cette année. Je ne connaissais pas du tout cet endroit de la Maladrerie et c'est absolument magnifique, acoustique très belle. Voici pour finir ce reportage l'incontournable Boris Andrianov. L'un des plus brillants violoncellistes de Russie, dès la fin de ses études, il débute une carrière internationale, se produisant dans les salles les plus prestigieuses du monde. Et depuis 2005, Boris joue un instrument exceptionnel du célèbre luthier Domenico Montagna.
On vous laisse découvrir cela avec un extrait de cette pièce solo intitulée Lamentatio du compositeur contemporain Giovanni Solima. Thank you.